tous. Donc on commence ces rencontres régionales du logiciel libre. C'est la troisième année que l'on fait cet événement à Nantes. Donc je vais vous faire une présentation de la journée. Je voulais excuser tout de suite Philippe Montargès, donc le président du CNL, qui a eu un empêchement ce matin, il n'a pas pu descendre de Paris. Donc je ferai la présentation, je vous présenterai aussi le Conseil national du logiciel libre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui aussi Francky Trichet, qui fait son marathon cette semaine, pendant la Nantes Digital Week. Ce que je propose, Francky, parce que je sais que ton agenda est très très chargé, je vais te laisser la parole dans un premier temps pour nous parler un petit peu de la Nantes Digital. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter Alliance Libre, le CN2L, et puis comment va se dérouler cette journée. Merci Marc, bonjour à tous. Effectivement, le marathon, je suis très heureux d'être ici, parce que bon, déjà, cette rencontre s'inscrit dans la Nantes Digital Week depuis le début, parce que l'année dernière, vous étiez déjà présents. Alors, la Nantes Digital Week, c'est un marathon de 10 jours, où on a plus de 100 événements, dont celui-ci, qui s'inscrivent dans une vision très transversale du numérique accélérateur de la transformation de la société. On y parle business, on y parle start-up, on y parle logiciel libre, on y parle science, on y parle art, culture, sociale et solidaire. Donc on est vraiment sur une approche très transverse, il y a des workshops, hier il y avait la Robotics Day, il y avait, je sais pas les chiffres, mais il y avait plein d'enfants partout qui découvraient ces robots. En quoi, effectivement, la robotique aujourd'hui interroge sur quelle société on construit, quelle usine de futur on construit. Il y avait des spectacles numériques. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, sur un cap, cette deuxième édition. L'année dernière, on avait 67 000 personnes. Cette deuxième édition, elle affirme vraiment une ambition forte, portée par Joanna Roland également, qui est de se dire qu'aujourd'hui, le numérique, on doit l'interroger, on doit le faire connaître, on doit le valoriser, pas que dans les sphères économiques, mais aussi effectivement dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un enjeu assez fort, et je crois qu'on a passé ce cap, et j'en suis très fier, et c'est aussi grâce à vous, et grâce à des gens comme Marc qui portent, et à Alliance Libre, des associations qui sont ô combien présentes sur la Nantes Digital Week, puisque les chiffres, ils sont révélateurs, 40% des événements sont portés par des structures associatives, ce qui n'est pas rien. Je ne suis pas sûr qu'à l'échelle de la France, il y ait beaucoup de métropoles qui peuvent se targuer de se dire « oui, on a des associations très actives sur ces enjeux du numérique aujourd'hui à Nantes. » Et encore une fois, sans vous, on ne fait rien. Donc moi, je suis très fier. Alors avec mon marathon, j'ai changé de chaussures, j'essaie de changer de short. Je finis très tard le soir. Certains m'ont vu très tard hier soir. Et puis je commence un petit peu en retard ce matin. Désolé. Et puis voilà. Donc après, c'est un colloque scientifique. Et puis après, c'est l'exposition Web sous les nefs. Et puis après, c'est les 20 ans du pôle. Et puis après, je sais plus ce que j'ai dans mon journée. Je regarde mon agenda, je regarde Corinne. Mais il me dit, j'ai mis une petite alerte. Donc il faut que je parte. Merci à tous d'être ici à Nantes. Je connaissais pas ce lieu, pour tout vous dire. C'est la première fois que je viens ici. Donc je découvre. C'est bien. Encore des lieux où il se passe des choses. Bonne journée à vous. Je vais rester un quart d'heure, juste pour écouter ta présentation. Et puis après, je me sauve, excusez-moi. Et puis, bonne journée à vous. Tu reprends ton marathon. Merci Marc, en tout cas. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui. Donc, les rencontres régionales du logiciel libre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la troisième édition. Elles ont été initiées dans le cadre du Conseil national du logiciel libre, dont je vous parlerai tout à l'heure. Tous les clusters régionaux du logiciel libre ont décidé de faire un phare et de faire un rendez-vous dans leur région à travers des activités d'exposants, des conférences, pour pouvoir un petit peu discuter avec les acteurs locaux de choses autour de l'open source et du logiciel libre. Sur la région nantaise, eh bien, c'est l'association Alliance Libre qui porte cette journée. Et on a aussi nos cousins, donc Eric, je sais, non, Eric n'est pas là, donc le président de Cap Libre, donc qui est l'association rennaise du logiciel libre. Je vais vous présenter un petit peu rapidement aussi Alliance Libre, enfin le contexte d'abord, et puis ensuite Alliance Libre. Donc pourquoi est-ce qu'on a désiré effectivement faire une journée sur l'open source et le logiciel libre, parce que le contexte
Et là, nous avons toujours une très forte poussée du logiciel libre dans les grandes administrations, avec des applications qui deviennent de plus en plus hétérogènes pour ces collectivités. Et aussi, depuis quelques années, on a au sein des collectivités du personnel qui utilise et même maintenant qui contribue à des logiciels libres. Donc ça, pour nous, société de service en logiciel libre, c'est très important et ça nous permet de nous développer, ça nous permet aussi de tester les logiciels, de les faire évoluer, de les faire maturer. Et enfin, on a aussi décidé l'année dernière d'ouvrir, la première année, c'était secteur public. L'année dernière, on s'est dit on va ouvrir aussi au secteur privé parce que c'est une réalité. Nos entreprises, maintenant, on a un vecteur aussi très fort sur le privé. Et donc, on a, grâce à l'industrialisation des processus du logiciel libre, on a des outils qui sont performants, des outils qui répondent à des besoins que le privé, que les grands groupes ont envie d'avoir, c'est-à-dire la garantie, la pérennité et aussi une assistance qui a ce maintenance applicative sur les logiciels libres. Et cette maturité, depuis 4-5 ans, elle existe et elle est très très présente. Donc, je vais vous parler d'Alliance Libre parce que je vois qu'on a pas mal de retard. Donc, Alliance Libre, c'est une asso qu'on a créée en 2006. L'idée de base, c'est né dans les années 2000 avec les premières sociétés du libre à Nantes. On s'est connus très rapidement, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, on a souhaité, au fur et à mesure du temps, eh bien, pouvoir se réunir. Ça s'est concrétisé 6 ans après, donc en 2006. On a décidé donc de créer Alliance Libre. Pour pouvoir être... Alors, à l'origine, c'était fédérer les entreprises du libre, promouvoir le logiciel libre, mais aussi se réunir pour pouvoir avoir accès à des marchés un peu plus gros. On a donc créé un pôle à Saint-Sébastien. Le premier a été créé à Saint-Sébastien. On s'est retrouvé avec 14 ou 15 sociétés sur un même lieu. Là, ça a été une découverte absolument géniale, puisqu'on s'est... On a appris à travailler ensemble, on a appris à même fusionner un petit peu les personnels, répondre à des appels d'offres. Et aujourd'hui, on est 35 membres sur Nantes et sur Rennes. C'est composé essentiellement de PME, de TPE, des indépendants. La particularité de tous nos membres, c'est qu'effectivement, ils développent et ils contribuent au logiciel libre. On a aussi ouvert un partenariat avec d'autres structures. Je vous présenterai tout à l'heure celles qui sont présentes aujourd'hui. Ça représente en gros à peu près 300 salariés sur la région et on est aux alentours de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, la globalité. C'est un chiffre d'affaires qui peut être plus gros parce que certaines entreprises Alliance Libre sont aussi des entreprises nationales, donc elles ont d'autres agences en France, mais là on a cumulé que, je veux dire, les Pays de la Loire, quoi. Oups. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, je peux finir là-dessus, actuellement, en 2015, on a vraiment le 360 au niveau de ce que l'on peut faire avec le logiciel libre et l'open source. On a, au sein d'Alliance Libre, au sein du cluster du Conseil National, donc le Conseil National, quand même, pour vous dire, c'est plus de 400 sociétés. 400 sociétés en France, 13 clusters régionaux, et le Conseil national du logiciel libre, lui, il a vraiment pour vocation de nous fédérer, de nous représenter, et on va travailler sur l'emploi, on va travailler sur les systèmes ACT, on va travailler sur le brevet logiciel, on va travailler sur un peu de lobbying au niveau d'Europe, et là, l'actualité du Conseil national, Philippe devait vous en parler, mais c'est de lancer un audit et une étude par PAC, donc Pôle Audouin Consulting, pour une prospective du logiciel libre 2015-2020. Donc il y a une grande étude nationale qui va être lancée, qui va permettre un petit peu de savoir où on se positionne, comment se positionne le logiciel libre en France et à l'international. Je disais donc qu'on avait un 360, puisque au sein de l'association Cap Libre, et au sein de l'association Alliance Libre, on a à peu près tous les corps de métier qui vont répondre aux besoins de nos clients.
On a effectivement des gens qui font de la MOA, on a des gens qui font de l'hébergement, des gens qui font du génie logiciel, de l'administration système, de la formation, c'est très très important pour nous aussi, de l'assistance, de l'hébergement. Voilà, on a l'intégralité de tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'un SI peut avoir pour mettre en place son système informatique. Je vais un petit peu vite. Je voulais remercier effectivement les gens qui nous ont aidés, Nantes Métropole qui nous suit dans le cadre effectivement de la Nantes Digital Week. Nous avons aussi Exco qui va nous faire une petite présentation tout à l'heure, une keynote. Externatic, donc qui est une société de RH et consultant. Et puis PC New Life qui nous a prêté les ordinateurs pour faire les démos là-haut, quoi.